bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play de Cube, toujours dans une ambiance calme, posée, tranquille. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez voulu voir la suite, donc on va avancer tout de suite. Je vous rappelle que je suis seul, qu'il n'y a personne d'autre avec moi. C'est un jeu qui se trouve sur Steam pour pas très très cher. J'ai oublié de préciser la dernière fois que c'est un jeu indépendant. Je dis pas de bêtises, c'est un jeu indépendant qui est vraiment très fun. Donc là, on avance toujours un peu dans le jeu. Je vous rappelle que c'est des épisodes courts et que dans cette étape, on va découvrir une nouvelle fonction qui permet de déplacer des bouts de map, enfin je sais pas comment vous dire, des bouts de décor. Voilà. Et ça va vous permettre de faire des choses sympas. Donc vous voyez que ça tourne sur soi-même, c'est cool. Donc voilà, je sors simplement le bloc. Le but c'est de se retrouver sur cette plateforme là. Et donc je vais la propulser vers le haut et je me retrouve bien sûr sur cette plateforme. Je saute et j'y vais. Voilà, donc bon réflexe, je baisse le truc puisque s'il est là, c'est qu'il a une fonction. Donc à sa sortie maximale, je peux bien constater que je n'ai pas accès à cette plateforme. Donc je pense que le but c'est de la tourner pour qu'elle se rapproche. Effectivement, on va essayer de faire ça sans fail. Vu que je suis un spécialiste du fail, puis voilà. Et voilà, je me retrouve déjà à la fin de ce niveau. Enfin, à la fin de l'épreuve plutôt. Donc, on retrouve nos propulseurs. On retrouve les bouts de décor qui tournent. On va monter là-dessus, je pense que c'est la solution. Donc, moi je m'étais arrêté là. Donc, à quoi va me servir ça? On va déjà le faire tourner, je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'il se place ici. Si je propulsais là-haut, ça va faire quoi? Rien du tout. Ah si, il y avait ça, je l'avais pas vu. Donc je pense que déjà le but c'est de nous propulser dessus, donc je vais le mettre comme ça. C'est parti. Voilà. Pour une fois que je me suis pas planté. Voilà, bon, je pense que le propulseur, on va en avoir besoin une deuxième fois. Je vais le baisser avant. Voilà. Et je vais rentrer cette plateforme que je peux bien sûr rentrer quand je suis dessus. Et je me suis fail. Voilà, oui, je tourne une fois de trop. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai compris le principe au moins. Encore une fois. Et ça. Là-haut. Que bien sûr on va sortir. Donc on se retrouve vraiment dans un univers de casse-tête comme dans Portal, même si le décor est beaucoup plus épuré. Alors, je le baisse, je tourne une fois, ça suffira. Et là, je me retrouve au-dessus. Voilà. Alors, je vais jamais m'en sortir avec ces touches là. Pourtant, il a que deux. Alors, imaginez sur un FPS, faut viser, faut tirer. Oh là là. Voilà, je continue. Oh! D'accord, je pense que ça veut dire ne va pas par là, va plutôt par ici. D'accord, là on a un vrai casse-tête déjà qui commence. Il y aura un cube vert qui s'arrête de pousser. Ça, je suppose c'est le final. À partir de là, on peut pas sauter, donc je pense que le cube vert doit se retrouver ici. Voyons ce qu'on peut faire. Ouais. Ok. J'essaye. Hein. Je me trompe peut-être, on verra bien. Non, c'est pas la bonne solution. Ça il pourra pas le faire. Ah bah d'ailleurs je peux même pas l'activer, je peux pas le lever parce qu'il y a un obstacle. Alors comment faire venir ça ici? Et bien sûr la latérale. Ah j'ai compris, ok, donc oui, okay, donc voilà, donc le but c'est de le mettre sur la case du milieu. Allez. Voilà.
Monte. Ah ouais, faudrait peut-être que je défasse ça. Et oh là là, je vais pas y arriver avec ces touches. C'est affreux. C'est affreux. Deux touches, je m'en sors pas, quoi. Voilà. Attends, on va essayer de pas rater ça. Voilà. Tout bête. Encore une fois. Et je rabats. Voilà. Bon, ça va, on commence à avoir des niveaux un petit peu plus complexes. Juste un petit peu. J'espère que ce soit un peu plus dur par la suite. Alors, un cube vert. Je suppose que. Alors, la salle tourne. D'accord. Ok, faut qu'il se retrouve là. Tout un escalier ou je sais pas, mais il faut qu'il se retrouve ici. Oh bah, tout bête. Ok. Et moi, je me place ici. J'ai plus qu'à monter. Je tombe sur le cube vert et je suis au niveau pour sortir. Parfait. Ok. J'aime bien ces petits changements de salle, ça fait vraiment très portal. Ok. Des salles penchées. Donc il y a une boule verte. Puisque la case est verte. Ok. Oui, d'accord. Ok. Je pense que ça nous explique vraiment comment ça va fonctionner. Ok. Très bien. Bon, voilà. Ok, rien de compliqué. Pourquoi il y avait celui-là? C'était histoire de dire choisis l'un ou l'autre. Alors, ok, il faut qu'elle se retrouve là-haut. Non, c'était l'inverse. Voilà, ça commence bien déjà. Voilà, elle est tombée là-dessus. On va la transférer à nouveau là. Et on monte. Bon, rien de compliqué jusque-là. Ouais, je pensais vraiment pour nous expliquer les principes et tout. Alors, comment va-t-on faire pour celui-ci? Ok. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas la bonne solution. Je pense que si je fais ça, ça va tout capoter. Non, c'était l'inverse que je voulais faire. Et oui, ça capote tout. Alors, donc, c'est que c'est pas la bonne solution. Et non, c'était l'inverse que je voulais faire. Oh là là. Comme toujours, je me fail. C'est magnifique. Ah, mais si, c'est bon, c'est ça. Regarde. Regardez-moi ça. Voilà, tout bête. Alors, ça, à mon avis, c'est pour retenir. Je peux pas le sortir? Oh, ah si. Bon, d'accord. Donc là, je pense qu'il faut le mettre contre ici. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la sensibilité de la souris parce que ça m'embête. Contrôle, mouse sensibilité. Oula. Ah, j'ai pas appliqué les modifications. Oh, comme le son est fort, c'est affreux. Voilà, et puis je fais monter et ça tombe dedans. Ok. Ah bah voilà, c'est déjà fini. Ah bah voilà, on arrive à la fin du deuxième épisode. Épisode court, hein, je vous avais dit. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. A plus, bye bye.